apprendre un petit peu à gérer un peu le sable. Alors, pour courir correctement dans le sable, il n'y a pas 36 solutions, il faut réussir à avoir un terrain stable. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous avez un bord de mer, un peu comme celui-ci, une grande étendue de sable, il faut savoir que vous allez avoir plusieurs qualités de sable. Vous avez une première partie ici, qui sera un sable sec en dessous, mouillé au-dessus. Donc, ça va vous faire comme un sable dur au départ. Vous allez poser votre pied, vous allez avoir la sensation de quelque chose de dur. Et puis, soudain, pouf, votre pied va s'affaisser et va s'enfoncer dans le sable. Et là, vous allez galérer. Vous voyez, ici le sable est très mou. Très mou en surface. Enfin, il est dur en surface et mou en dessous. Ensuite, deuxième qualité de sable sur lequel je marche. C'est un sable dur, très dur. On peut y courir facilement. Allez, c'est parti. On voit que les crampons effleurent à peine. Et ensuite, vous avez une dernière qualité de sable qui est ici. Donc, c'est la zone humide. Là, on revient à un sable assez mou qui va s'enfoncer également. Hein, parce qu'il y a encore pas mal de flotte en surface. Voilà, ici, bon, déjà. Courir à une deux flottes, c'est pas terrible pour les chaussures. Donc, 1, 2, 3, 4 bandes de sable. Eh bien, vous prenez cette bande-ci, hein, donc la troisième à partir du sable, enfin du sable sableux. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez les courir tranquille à cet endroit-là. Donc, faut longer la ligne d'eau et courir ici. Voilà, donc on court ici sur cette bande là. Voilà. Bon les amis, je vais vous montrer une qualité de sable qui est vraiment bien pourrie. C'est ce que moi j'appelle le sable gravier. C'est pas un sable fin, compact, hein, qui se compacte avec l'eau sur laquelle on peut courir. C'est vraiment un gravier. Voilà, donc c'est du. C'est du sable qui n'en est pas. C'est du gros gravier. Donc les pieds n'arrivent pas à trouver d'appui. Derrière moi, ça fait des grosses traces. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur ce type de sable, je vous conseille de marcher. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Bon, ce qui est chiant aussi avec ce sable, c'est que c'est un sable. Un gravier qui rentre facilement également dans les chaussures. Ce qui ne gâche rien. Voilà. J'espère que ce petit tuto pour courir sur le sable le long de la plage en Bretagne vous aura plu. Allez, c'est à vous maintenant.